Zéro paludisme dans la commune de Cocody en cette période de football. C'est l'objectif du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En collaboration avec la mairie de Cocody, une activité de démoustication dans les lieux de rassemblement se tient tous les 4 à 5 jours jusqu'à la fin de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'opération qu'on mène ici concerne les sites du village Cannes où il y a un regroupement humain. Et partout, il y a un regroupement humain. S'il y a des moustiques dans l'environnement, obligatoirement, les moustiques sont attirés par la présence humaine. En plus de ça, nous avons ciblé certaines zones pour nous, qui sont des zones à risque, des zones de production de moustiques, notamment chez les horticulteurs, communément appelés les fleuristes. Sur tout le territoire communal de Cocody, intervenons sur ces sites pour éliminer les moustiques. Une activité très appréciée par la population. Ce matin, nous avons remarqué qu'il y a une belle équipe au nom du ministère de la Santé qui est venue assainir notre site. Et vraiment, nous en sommes ravis, nous sommes vraiment contents parce que c'était une préoccupation pour pouvoir gérer plus de 2000 à 5000 personnes en un seul événement qui se réunit. Ce n'est pas évident. Donc, nous saluons vraiment l'action. Nous saluons l'action. Nous disons vraiment merci à l'État, au ministère de la Santé, vraiment pour cette action sur le terrain de nettoyage, au compte de la salubrité. Les différents villages Cannes concernés par cette démoustication sont ceux d'Anono, d'Akouedo, d'Angré, du complexe de la Palmeraie et de l'espace Sokossé.